mise en page. Et après, dessus, il y aura, quand elle va mettre tourner à l'envers, il y aura autre chose. Ça va être complètement différent. Et c'est juste pour faire une introduction, et après, dessus, on mettra. Elle vous emmène faire un voyage. Dans votre esprit, il suffit d'une image pour être emporté dans ce paysage. L'étendue de salé semblable à un mirage. Laissez-vous bercer par les vagues dans la plénitude d'un sage qui retrouve un goût d'éternité dans ce bruissement singulier. Il se pourrait alors qu'en regardant l'horizon, vous retrouviez toutes vos émotions. Lâchez prise et dans un abandon, contemplez les vertus d'une autre dimension. La mer a déferlé, je rentre dans sa cadence, me perds dans ses rouleaux. Dans la vie où l'on se sent un peu perdu et où on cherche sa voie. On voudrait qu'une main se tende et on cherche l'issue de secours ou bien la personne qui croira suffisamment en toi pour te faire repartir du bon pied. Traversée, me guide vers ma voie, juste à
Je pense que toute sa vie, il aura été en recherche constante d'authenticité. Et c'est pour cela qu'il a toujours cherché à aller plus vite et à voir plus loin que les autres. C'est pour cela que je l'ai surnommé le visionnaire. Son œil aiguisé perçoit des nuances, des tonalités dont tout se mélange sur des gammes de couleurs. Il capte les profondeurs, capture des teintes, devient délicat pour que tout soit moins terne, donne un coup d'éclat, cherche la bonne combinaison pour l'ultime. À l'affût de nouvelles inspirations, pourvu que sa vue, ce qu'il est l'illumination, qu'il voie en perspective et que tout en lui s'active. Il est un visionnaire, toujours en recherche, un révolutionnaire. Des peintres, il lui fallait son point d'attraction, celle qui lui donnait l'inspiration, celle qu'on appelle la muse.
et sa nourriture, son terrain de construction. Et quand la belle en use redouble d'affection, il n'y a plus de censure à son imagination. Je l'ai trouvé un jour par hasard, au travers d'un peintre qui avait lui-même son histoire et qui avait beaucoup à m'apprendre. C'est l'histoire d'un gamin qu'on ne pouvait comprendre tant il avait de rêves, qui dut fuir le cocon pour mieux voir l'horizon. Décider un matin quitte à le havre et les siens pour calmer cette fièvre, pour prouver le sens de son œuvre, fallait qu'il fasse ses preuves. Du bateau lavoir à la rue des Abbesses, en passant par la rue le Pic, il fallait le voir, qu'on le reconnaisse, refaire un monde pacifique. Agile à la place du tertre, au moulin de la Galette, il est élu domicile au cœur de Montmartre, sur des airs de guinguette. Ce n'est que sur la butte qu'il peut se sentir libre dans l'ambiance des peintres. Une famille qui part procuration comprenait mieux ses émotions. Remplir sa valise de ressources humaines dans la fraternité, reconstruire son histoire, refaire naître en lui l'espoir. Du bateau lavoir à la rue des Abbesses, en passant par la rue le Pic, il fallait le voir, qu'on le reconnaisse, refaire un monde pacifique. Du tertre au moulin de la Galette, il est élu domicile au cœur de Montmartre, sur des airs de guinguette. Côtoyer des figures, remplir sa tête de rêves et tenter sa chance, devenir un artiste pour que la vie soit moins triste. Brosser sa toile et user ses pinceaux sous le ciel de Paris, et trinquer à la santé d'un nouvel artiste né. Du bateau lavoir à la rue des Abbesses, en passant par la rue le Pic, il fallait le voir, qu'on le reconnaisse, refaire un monde pacifique. Du lapin agile à la place du tertre, au moulin de la Galette, il est élu domicile au cœur de Montmartre, sur des airs de guinguette. Il est vrai que la vie réserve bien des chagrins aux rêveurs et aux poètes,
vaut le coup d'être vécu. Cela, j'en suis convaincu. Du bateau Lavoir à la rue des Abbesses, en passant par la rue Le Pic. Il faut en vouloir, changer de vitesse, refaire un monde pacifique. Du lapin agile à la place du tertre, au moulin de la galette. C'est dans cette ville, au cœur de Montmartre, qu'il devint une vedette. C'est bon, je vais suivre.